Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur un nouvel épisode de GTA 3, le troisième épisode après leur série numéro 2 que j'ai fait avec Petite Biquette. J'espère que vous avez d'ailleurs bien apprécié cet épisode. Je vous remercie pour les clics, ça fait extrêmement plaisir. On perd pas de temps, vraiment pas de temps, on se lance tout de suite dans l'aventure, on a des armes à récupérer parce que si vous vous souvenez bien, on s'était fait buter... d'une certaine manière au dernier épisode. On a des missions à faire, hein, on a des missions à faire, il faut avancer l'histoire. Peut-être que vous vous souvenez, donc on avait fait dans ce dernier hors-série les missions de pompiers à Portland et les missions de police également, hein, pour avoir nos deux étoiles qui vont nous être absolument super utiles dans tous les épisodes que l'on va faire. Donc on va avancer, hein, on va avancer. On va aller voir Joey. Joey qui nous attend. Qui a sans doute des missions à nous donner. On avait fini celle de Marty, hein, Marty Chunks, l'épisode numéro 2. Alors allons voir Joey. Oh les mains. Peau de lapin. All right, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Ok, on va défoncer un gros machin blindé. Bah alors d'avance ça pue, hein. Tiens, on va prendre. Oh oh. J'espère qu'ils vont pas. Ils ont rien vu, ils ont rien vu, les poulets. Ah, la musique. Est-ce qu'il y avait la musique au début? Je sais plus. Allez. Mange-toi ça. Arf. On va comme par hasard. Allez, vas-y, dégage là. Casse-toi. Boum. Boum. Tu prends tes balles ou pas? Non, tu prends pas tes balles. Ah là, c'est très bien ça. C'est très 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 bien. Allez, on continue, on continue, on continue. Alors là, les gars, là on est très très bien placé là. Ça c'est bien joué ça. Ok, alors, vous savez ce qu'on va faire? Les mecs se sont barrés. Nous, on va éviter de se faire buter. Genre comme ça. Et on va se barrer. On va aller choper nos deux petites étoiles, tranquillement. Voilà, que là, ils essayent de nous... Oh là là, comment je l'ai bien senti! J'ai failli mourir, mais comment je l'ai bien senti? Regardez, regardez, regardez à quoi ça va nous servir. Voilà. Tranquille, easy. Easy, les gars. Bon, bah, on va aller récupérer notre petit fourgon blindé qui nous attend. On a bien fait de se barrer quand même, hein. Parce que je pense qu'on reste à côté, on se serait fait harceler. Ça n'aurait pas été vraiment super cool. Elle était un peu loin, par contre. J'espère que personne n'aura volé. Allez mon gars. Fais ton 100 mètres là. Allez. J'ai pas que ça à faire de la journée. Comme je vous disais, on va essayer d'avancer les missions le plus possible. Hop, la radio. La radio, tout de suite la radio. Allez gros. Dépêche-toi. Alors là, ce qu'il faudrait pas faire, les amis, et que je vais éviter de faire, c'est renverser le machin. Donc on va pas prendre le raccourci. On va garder notre petit security car bien au chaud avec nous. Et on va aller le placer dans le petit box, là où il faut. C'est important. Parce que Joey nous l'a demandé. Donc, on va le faire. Voilà. Petit security car.
sors du véhicule. Oui, monsieur. Voilà. Ah, radio éteinte, c'est parfait. El Bourreau veut te donner une chance. Va à la cabine téléphonique. Ça marche, mon ami. Déjà, je vais retourner voir Joey, le chauffeur de monsieur. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. Alright, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. Ouais. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Enchanté. Hey, I'm Tony Cipriani. Tony Cipriani. Take him to Mom's restaurant at St. Mark's, alright? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Ouais. Tony Cipriani. Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washing women ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap. So no. D'accord, mais coupe la musique, okay. Coupe la musique. Non mais je sais que El Bourreau veut me parler, c'est bon, j'ai compris. Il veut me donner une chance. Ouais, El Bourreau va me donner une chance. Ça marche. Hop. Hauteur de Burns. Ça va, t'es dessus là. Keep the engine running. This ain't a social call. Ouais. Ils ont vraiment des voix dégueulasses, ces triades. Je sais même pas ce qu'ils disent. Vas-y, pète-leur la figure. Pète-leur la figure. Il leur a même pas pété la figure, c'est qui ce type là? Sors-nous d'ici, gamin! Mais ouais, t'inquiète. C'était une embuscade, mais t'inquiète pas. Wow, wow! Ils veulent quoi, eux? Ça y est, on est plus copains. Parce que monsieur allait réclamer son argent. Et la mission qui sert à rien, quoi. A priori, ça sert pas à grand-chose pour le moment. Ok. Et voilà. Ouais, ça me va. Il est vénère, Tony. Tony Cipriani. 3000 boules. Peut-être pris 3 balles. Pas mal. C'est bien. Bon, et bah, c'est quoi? Allez, sauvegarder. L'usine est disponible maintenant. Ah, ammunition, c'est bien, merci, c'est cool. Attention. pardon mon gars. Hop, allez, on va foutre la bagnole ici. On va récupérer les petites armes comme il faut. Voilà, on sauvegarde. La mystérieuse Misty. C'est Joey qui se tape Misty, hein. Et on va aller voir El Bourreau. Damn police. On va aller voir El Bourreau. El Bourreau. El Bourreau veut te parler. Bien, c'est très bien. Allez voir le tourisme. Diablo. Et ouais, mon gars. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Ouais, ma gueule. On va aller chercher une petite voiture que je sais exactement où elle se trouve. Ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit, mais on va aller se prendre cette voiture. Et sacré brouillard, hein. Purée de poids là. Ouh, ça a explosé ou quoi? Toi-même tu sais, ma gueule, on va chercher la voiture qu'il faut pour cette mission.
celle-là. What? What? Eh ouais. Voilà. Et on va aller à la grille de départ sans la casser, ce serait mieux. Et on va faire cette petite course. J'espère qu'on va la gagner. El Burro nous a lancé un défi qu'il va falloir relever. Et en plus, c'est pas de la merde les voitures qu'il y a. Tiens, dégage. Allez! Wow! C'est pas du jeu ça! Allez vous faire foutre! Et ils ont fait n'importe quoi après. Hein. On va essayer de bien conduire les amis. On va essayer de bien conduire. J'ai pas envie de perdre cette course. J'ai pas envie d'avoir à recommencer. Hein. Mais non, mais genre l'autre clignotant encore une fois. Vas-y, c'est chiant là. Arrêtez de faire des conneries, vous aussi. Putain. Tiens, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Ah là là, ils nous mettent la mine là. J'espère qu'il pourra pas se retourner. Comme ça, ça élimine déjà un mec. Ah là là, on est largué. On est grave largué là. Et si cette voiture voulait bien se mettre correctement, ce serait mieux quand même. Ah là là, mais j'y crois pas. Sans deck. Les mecs, ils ne savent pas utiliser le temps. Toi, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais voir. Lui il est pas à côté. Ah, on va le griller là, on va le griller là, on va le griller. On l'a grillé. Bah oui, bien sûr. Et on va essayer de pas se retourner aussi, ce serait mieux. Mais à mon avis, il est juste derrière. C'est pas grave, on va se les faire, on va se les faire. Cette course elle est pour nous, les gars. Cette course elle est pour nous. On conduit beaucoup mieux. Sauf si on fait ça. On peut gagner cette course. Si on se prend plus d'autres voitures qui tournent n'importe comment, on peut la gagner. Allez mon petit gars. On a la meilleure voiture là. On n'a pas le droit de perdre. J'ai toujours peur. Que ma voiture explose quand il fait ça. Mais pour l'instant, on est pas mal. Vous savez quoi? Si on la gagne, je vais sauvegarder direct après. Ouais, je sais, vous en foutez. Ça fait perdre du temps, mais franchement, ça peut nous éviter d'avoir à tout refaire. Voilà. Et genre là... Premier, les gars, premier! Incroyable! 165 secondes. Trop easy. Bon bah on va sauvegarder, j'ai pas envie de la refaire celle-là. Hein. C'est le genre de mission à la con ça. En plus on a une petite voiture sympathique. On va la garder pour le moment. Ah oui, mon PC, encore une fois. Bien, 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 bien. Ça m'aurait étonné qu'ils mettent pas à faire des siennes, quand même. Voilà. On récupère les petites armes. Et on sauvegarde. Là, il n'y a pas de lézard, les gars. On sauvegarde direct après un truc comme ça. Eh ben, on va la garder. On va la garder. Cette voiture est très très bien. Voilà. Et on va aller, 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 on va aller plus proche. On va aller voir El Burro. El Burro. Voilà. De la glace, t'es refroidi. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather. Allez, détails, on veut pas savoir, mon petit gars. No goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They
threaten the wrong man, amigo. Amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. Jingly jingly. In a warehouse on Atlantic Key. Okay. Ok, on va prendre la mallette à Harlouten. Alors elle est où la mallette? Elle est où? Elle est loin là? Elle est Faut y aller comment là? Ah, elle est là-haut, d'accord. Qui servait vachement. En plus on va renverser notre voiture. Ça va être beau. Je sentais l'action venir là. Je sentais l'action. L'action exceptionnelle. Bon, on va aller prendre la mallette alors. Hop. Chercher la mallette. Trouve une camionnette de vendeur de glace. Oh, mais ce serait pas un monsieur Whoopi qu'on cherche? Si, peut-être, hein. Allez, si c'est ça, petite dédicace à petite biquette pour le monsieur Whoopi. Sa voiture préférée. La voiture des glaces. Eh, c'est ça. Dédicace. Franchement, dédicace, petite biquette. C'est pour toi, celle-là. Un monsieur Whoopi. On n'en demandait pas tant. D'accord. Allez, et ben, monsieur Whoopi, hein. Tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou. Je vous laisse apprécier la musique, les gars. C'est la seule que vous aurez pendant cet épisode. Ouais, c'est grave relou, en fait. C'est franchement grave relou. Et on fait les petites missions. Et c'est bien avec Monsieur Whoopi. Allez, on se casse. On se casse. Oh là là. Les voilà, les méchants. Monsieur Whoopi. Bah, je crois qu'on va dire adieu à Monsieur Whoopi, hein. Ah, les mecs, c'est des gourmands, regardez ça, ils sont tous autour du camion de glace. Bouah ! Voilà, c'était gratuit, plus de Monsieur Whoopi. Il y a des morceaux de mecs un peu de partout. C'est beau. Une autre voiture, s'il vous plaît, une voiture. On demande une voiture dans le coin, s'il vous plaît. Miss You. Ah, mais pas celle-là. On demande une voiture, Miss You, madame, s'il vous plaît. Et puis, et ben, puisqu'on est à côté de chez Joey, on va aller voir Joey. S'il est ouvert à cette heure-là, à cette heure tardive qui est 20h. Joey. Transport de marchandises avariées. Just beautiful. Ok. Alright, just the guy I need to talk to. Eh ouais. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. Ouais. One of the Forellis thought he was a wise guy, Forelli. So he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Ok. Ok, bon, on va aller chercher la voiture. Et on va l'emmener au broyeur. Alors. Ça sent l'embrouille, les amis. C'est trop facile, ça. C'est beaucoup trop facile comme mission. Ça sent grave l'embrouille. Ah, c'est quoi cette voiture? Regardez, là. Il y a un mec chelou dedans. Genre un mec chelou. C'est qui, ça? Franchement, genre... ça sent l'embrouille à plein nez, les gars.
C'est les frères Forelli à débloquer. Ah là 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 là, ils m'ont tout cassé la voiture là. Ah là là, il faut pas qu'ils les renversent. Là, faut pas rester à côté, les gens. Non, faut pas que tu te renverses. Non ! Oui ! Et là, faut se casser. Faut pas qu'il nous rattrape. Et voilà ! Ouh ! Franchement, c'était chaud, les gens. C'était chaud. Ouh, franchement, là, j'ai cru qu'on allait y passer. Oh, mais j'avais pas vu. Regardez dans le coffre. C'est gore. Sympa, le petit coffre de la voiture, là. Bon, faudrait peut-être mieux pas passer devant un flic. Hein. Et on va éviter de bousiller la voiture aussi. Très bien. C'était un petit peu chaud. Mais enfin, on s'en est sorti. Hein. Je voudrais pas dire, mais on s'en est sorti. Voilà. N'en te renverse pas. Tranquille. Tranquille. Tranquillou, on a dit. Gentil la voiture, gentil, te renverse pas surtout. Voilà. Casse-toi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là on est bien. Oh. On est bien, on est bien. Pas trop mal. On a buté les deux autres là. Bien. L'ordi. Adieu, cher ami Forelli. 10 000 boules. Paye tes 10 000 boules. Sauvegarde illico presto. Sauvegarde. File-moi ta caisse. Gentiment. Voilà. Gentiment. Hop. Ah. Ah, j'ai envie de me faire le truc là, mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable si on n'a pas sauvegardé avant. J'ai pas envie d'avoir à tout faire, les gars. Franchement, je vous le dis, on va les sauvegarder. Comme ça, en plus, on récupère de la mune. C'est toujours intéressant. Voilà. On n'a pas fait tous nos hors série pour rien. On a des munitions à récupérer. On le fait, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie. C'est le jeu de la vie. Référence à toi qui connais. Hop. Allez, le plus proche c'est qui? C'est El Burro. On garde Tony pour plus tard. On garde Tony pour plus tard. J'ai envie d'aller voir El Burro. El Burro le Diablo. Une émission plutôt cool jugée par le feu. Ouais. Ils ont bien fait. Ouh, il a la rage. Ouh, il a la rage. Oh là là, arriba, il est trop en colère. Bah, c'est normal, tu vois, ils sont en colère, mais... Ouh, il est colère, l'ami. Pas content, hein. Et pas content du tout. Bon, bah, écoute. Écoute, cher ami. On va tenter de survivre à ça. Parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu chaud. Dans le genre chaud, quoi.
plus ni moins que ça. Ça va être chaud. Je sais pas trop comment on va s'en sortir sans ramasser trop de dégâts. Tu 25 triades. Bon, bah c'est ni plus ni moins qu'un rodéo. Ça va être grave chaud. Oh là là, en plus il y a la police quoi. Ah. Grave peur qu'elle explose cette conne. Voilà. Voilà. Oh là là, il y a grave du monde là. Étonnant qu'on se soit pas encore fait tirer dessus. Voilà. Ah non, c'est moi qui l'ai buté là. Très bien. Bien, il est un tout. Mais ça va pas les sauver, mon petit gars. Allez, venez. Il vous attend. Oula, il y avait du fric. Désolé. Voilà. Allez, ça avance petit à petit. Petit à petit, ça avance. Sept. Allez les gars, montrez-vous là. Voilà. C'est bien. Fais pas le show toi hein. Merde pas les gens. 4. Toi tu vas être... Troisième. Très bien. Allez, encore un là. Arrête, je l'ai eu là. Oh, emmerde pas. Je l'ai eu ou quoi? Allez, c'est là, c'est les bons. Voilà. Super. Ah, ils m'en veulent, ça y est. Normal. C'est un petit peu normal, je crois. Ils veulent me buter. Bah écoute, je suis désolé, hein, moi j'obéis aux ordres. Franchement, j'en ai rien à cirer, j'obéis aux ordres. Faut pas me chercher. Bah, c'est comme ça. Comme ça les amis. Voilà. Allez, on sauvegarde encore. Ah, j'avais qu'une seule peur, c'est qu'en fait, déjà... d'avoir les étoiles de police qui s'accumulent, mais en fait on n'a pas eu une seule. Et surtout j'avais un petit peu peur d'avoir d'avoir les autres abrutis là qui se rebellent à chaque fois que je les brûle, et en fait ils avaient juste envie de se barrer. Ça m'arrange, mais maintenant je crois que dès qu'on va mettre les pieds dans le quartier, ça risque d'être un petit peu chaud parce que je pense qu'ils vont s'en souvenir. On a brûlé tout le monde, ils ont pas vraiment apprécié. Bon, on va aller voir l'ami, l'ami El Burro encore une fois. L'ami El Burro. Voir ce qu'il veut. Star du X. Ouh, moins de 18. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hub of the Press. But that spanked up idiot has left the rear door open. Ça, c'est and con, now ouais. My beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over. Ah, liberty. C'est moche. Take the van and follow that trail of donkey dust. Le taureau se fait suer. Volume 1, 2, 3. When you follow the trail to that thieving spank head, waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X. Eh ben, sacré programme. Sacré programme, les amis. Sacré programme. Allez, c'est parti. Whole world's against you. I mean, you know, we're d'accord, not talking faut about suivre you. La piste. What kind of egomaniac are you? Oh là, on n'a pas énorme de temps là. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas du tout les trucs comme ça. Il faut
pas se renverser. Il faut pas louper les trucs. Alors ça, je déteste. Je déteste parce qu'il faut aller vite et il faut pas se renverser. Il faut pas se renverser. Il faut rien louper. C'est un coup. Ah, foirer sa mission. Voilà, vous voyez déjà, on a déjà perdu du temps par rapport au début. Hein. Heureusement qu'il y a des lignes droites. Allez, on va regagner peut-être un peu de temps. Là. Ah, là, les gars, là, c'est concentration extrême. Hein. Je vous cache pas, concentration. Hein. Concentration maximale. Oh là là, je t'ai loupé! Aïe 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 aïe, je l'ai loupé juste pour éviter ça. Ouh là là là, c'était chaud. Merde. Non. 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 Oh non, fais chier. Ah là 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 là, en plus on passe dans un quartier mais pourri quoi. Ah là là, c'est trop chaud les mecs. Si j'avais pas fait ça, c'était bon. Voilà, bon, c'est mort. C'est mort les gars. Je vous dis, c'est mort. Ah, c'est grave relou. C'est grave relou. J'en ai loupé un. On sait très bien où ça va mener. Après, je sais pas. Peut-être, je sais pas s'il faut vraiment tous les récupérer. Parce qu'ils ont pas l'air de les marquer sur le sur l'emplacement. Alors. Vous voyez, on en a raté un. Hein. De toute façon, là, je crois que c'est mort. On en a raté deux. Je sais pas si on va arriver au bout. On a perdu trop de temps, les gens. On a perdu trop de temps. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah bah, c'est bon. Ah bah je croyais qu'il fallait tous les récupérer. Bah écoute, on s'en sort bien. On s'en sort bien, franchement. Je suis premier surpris, premier content. Non, non, vraiment, j'avoue, je suis content. Là, les gars, je suis heureux, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et bah c'est bien, on l'a buté, on l'a défoncé, il a défoncé sa gueule. Bah on n'a plus qu'à amener ces jolis trucs à l'endroit où il faut. Sans mourir, ce serait mieux. Sans se faire exploser, ce serait mieux. Voilà. Triple X Max. Ça vend du X ici. Ouh, les petits pervers coquins. Ils vont s'acheter tout ça. Oh, regardez ça, il y a même la queue. Ils ont honte parce qu'ils mettent des lunettes de soleil. Et on vient de gagner 20 000 boules. Et on a écrasé quelqu'un. Qui porte au débat. Ah, ça y est, El Bourreau. On a fini les missions d'El Bourreau. Regardez, on a plus ces, on a plus, ces trucs. Bon, elle était un peu chaude. Hein. Franchement, ça s'est joué à 10 secondes. Allez, 7 secondes. 7 secondes peut-être. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, les gars. On a bien avancé là. On a fait quelques missions de El Bourreau. Maintenant, les triades nous en veulent. Voilà, c'était important. Maintenant, les triades nous en veulent. Non, c'est bien, c'est bien. Et on a même conservé. On a même conservé un lance-flamme. Franchement, c'est génial. Allez, on sauvegarde. Sauvegarde. Et celui-là, les gens. Celui-là. Voilà. Bon, les petits amis, bah écoutez, on a très très bien avancé aujourd'hui. On a refait encore pas mal de missions. Hein. On a gagné pas mal d'armes. Voilà, on s'est même retrouvé ce petit lance-flap. Pas énorme de mun, mais au moins on a ce qu'il faut. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera peut-être pas hors série pour le coup, parce qu'on a quand même bien avancé sur tout ce qui est... à côté, mais peut-être qu'on se laissera un peu plus de marge pour faire d'autres choses, hein, un peu d'import-export, un peu de bagarre, enfin ce genre de trucs. Là vraiment on a fait que des missions aujourd'hui, c'était bien, on avance.
Mais on va avoir des programmes chargés. Donc voilà. Écoutez les amis, je vous remercie encore pour tous les clics que vous m'avez laissés. Je vous remercie si vous avez laissé un commentaire. Je vous remercie si vous êtes abonné encore plus. Et je vous recommande de le faire. Hein? Bah ouais. Je vous recommande de le faire si vous voulez être à jour et savoir exactement quand est-ce que je publie. En tout cas, merci à tous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.